bonsoir, tout dépend de l'heure où vous regardez la vidéo. Catherine Flo entre la ca aujourd'hui avec une nouvelle vidéo côté que nous les nous pouvons faire vivre comme en ville là et ensemble de lieux qui gagnaient en dans ville. En passant, moi-même c'est Jean-Louis Mire Daline qui s'est présentatrice Catherine Flo. Dis-moi petit peu abonné avec Chanel là, abonné, partagez page là, faites plus pour nous garder les voyez Catherine Flo plus haut, voyez culture plus pays plus haut, voyez la ca plus haut. Restez connectés, n'a pas tourné pour reste vidéo concernant visite nous dans ville Limbé et occasion fête li. Continuer parler ou de ville Limbé. Limbé qui trouve li dans le département Nord, dans Sud-Est ville Cap-Haïtien, à 19 km. Ville Limbé a gagné un quartier avec 6 sections communales et puis li sous 125,8 km² li gagné 77 574 habitants qui vivent là-dedans. Better this time. I thought I would never be fine. Limbé gagné 13 rivières, 17 sources, un étang avec 3 lagons et puis il gagné 15 forages, 6 pieds artésiens avec 4 tuyaux publics. Ville Limbé lui-même qui gagné de l'hôpital, yon l'église catholique qui fondée en 1900. L'église lui-même était rénovée en juillet 2003 à 2010 par révérend père Patrick Alexis. Nous connaissons Limbé lui-même qui joue un gros rôle dans l'économie du département Noa. L'économie qui est posée sur du riz, mangue, banane et puis café. Bibliothèque Georges Castera dans Limbé. Alors nous faisons visiter la bibliothèque là et nous allons faire un petit parler avec un responsable dans la bibliothèque là. Robinson Perra qui est un responsable dans la bibliothèque Georges Castera dans Limbé. Alors Catherine Flo lui-même lui passé pour visiter la bibliothèque là pour nous connaître comment la bibliothèque là est liée, histoire de la bibliothèque là et comment elle fonctionne dans la ville Limbé. Est-ce que vous êtes capable de parler un peu de l'origine bibliothèque Georges Castera? Alors, je vous dis bonsoir. Normalement, moi c'est Robinson Perra. Moi c'est responsable NTIC dans la bibliothèque Georges Castera. La bibliothèque Georges Castera, c'est une bibliothèque qui est fondée par le fameux poète Clément Benoît II. C'était dans l'année 2001. De 2001 à 2022, alors 8 juillet 2022, pour le faire, la bibliothèque là, 21 ans. Ok? Depuis qu'elle existait. Alors, la bibliothèque là, elle-même était censée fonder avec Clément Benoît II, qui s'est directeur fondateur de la bibliothèque là, et ensuite avec Jubson Joseph, et puis Lensley Payan, et ensuite Ofran Toussaint. La bibliothèque là a commencé dans une salle qui est derrière là, et la salle ça a, là dans l'été gagné 57 livres. Ça veut dire que la bibliothèque a commencé en 2001, c'était avec 57 livres. Mais pour aujourd'hui, la bibliothèque là, lui-même, il comptait plus passer 5 000 livres. Ok? Grâce à don que
yo surtout fait bibliothèque là de livres, ok, grâce à ça yo et nous arrivons capable contrôler environ 5000 livres. Alors bibliothèque là chaque année toujours décerné ça nous aide un prix littéraire à un ensemble de écrivains, ok, ok, et chaque année gagne écrivain qui Gisèle Pinot qui est en Guadeloupéenne, qui me rappelle de l'année, alors qui était recevoir prix ça dans la bibliothèque là, qui était sorti directement de Guadeloupe pour venir recevoir prix. Bon, je pense que ensuite la bibliothèque là a gagné un sacré livre en liberté qui est organisé parce que dans en pile ville dans le pays, ok, on a mis environ 80 villes dans le pays, parce que chaque et deux, trois fois dans l'année, il y a un livre en liberté qui a fait. Alors, faire le livre en liberté, c'est son façon pour être capable de faire et on dit promouvoir okay, la lecture. Alors, vous parlez de livre en liberté. Est-ce que c'est Bibliothèque George Castra qui organise personnellement ou bien c'est un ensemble d'organisations? Oui, c'est Bibliothèque George Castra qui organise. Il organise dans presque chaque ville qui est dans le pays. Okay? Okay. Là, ça, il invite des auteurs haïtiens viennent participer et puis venir avec le livre que écrit pour capable présenter à public là et puis les gens qui ont volonté et acheter. Ok. Alors, puisque nous avons une bibliothèque là, lui-même l'y chargé, est-ce que Georges Castéra lui-même n'a pas une activité spécifique qui organisée dans la ville Lembe avec l'école, l'université ou bien l'autre bagage? Est-ce que nous avons une organisé spécifique nous organiser pour la ville là? Normalement, la bibliothèque là toujours chargée pour être capable de former ça, le gouvernement scolaire. Le gouvernement scolaire, c'est qui ça? Le gouvernement scolaire là, c'est côté que vous passez dans l'école et puis vous réunissez ensemble d'élèves. Alors, il y a un groupe d'élèves qui a représenté chaque l'école. Yo, et bien, avec un groupe d'élèves, ça y est, formé chaque le gouvernement scolaire. Et là, il y a un programme dans la bibliothèque. Là, c'est même le gouvernement scolaire utilisé pour faire promotion pour le programme. Là. Okay. Okay? Okay. Pour aider et question lecture là, pour capable gagner en valeur en plus dans la ville. Okay. Étant donné que nous connaissons avec le temps, la technologie a très avancé, nous n'avons pas presque soucié d'aller passer tout le temps dans la bibliothèque, prendre un livre libre, plus nous étions focus sur Internet. Comment ça est dans la ville? Est-ce que vous avez des gens qui passent souvent, viennent lire, faire recherche? Est-ce que comment ça est dans la ville? Oui, toujours des gens qui viennent faire recherche dans la bibliothèque jusqu'à ça. Surtout, en pile, étudiants, parfois qui écrivent, il y a des ouvrages qui ont besoin. Sortir au Cap haïtien et puis venir là pour capable et utiliser le sario pour capable avancer avec ça que nous avons fait. Alors nous disons organiser souvent activité sario chaque année nous et bibliothèque là lui même organiser genre d'activité sario. Tant que livre en liberté alors c'est un programme que bibliothèque là a organisé 3-4 fois 5-6-7 fois. Ok, pas de limite. Alors, chaque année, c'est comme ça. Ok, ok. Donc, commençons à gagner une prime que les Guadeloupéens qui étaient venus recevoir. Oui, il y a un prix. C'est un prix. Et en fonction de qui ça nous décerne le prix ça? Le prix a décerné en fonction de. Ok, c'est plusieurs auteurs qui sont réunis. Alors, auteur ça, c'est un coup sans concours. Ok. Alors, dans l'auteur ça, il y a un jury qui est Chita. Un jury pour question prix littéraire là, ok, qui c'est et prix littéraire Joseph Deschamps et jury ça lui-même les gars responsables pour choisir yon auteur ça par rapport à livre que le présente à elle là et à l'aide de livre ça le capable dit c'est bon jury a décidé pour dire que c'est tel monde que et il a décerné pour capable prix à Anissa. En tout cas, ça fait donc grand plaisir pour nous entendre et partager ensemble avec tout le monde qui suit nous, ensemble d'activités, bibliothèque, Georges Castellani,
a organisé dans l'Imbé et disons dans plus passé 80 villes en Haïti. En plus donc utilité tout li gen dans ville l'Imbé et pourquoi pas communio parce que bibliothèque là même son grande bibliothèque quand pile monde passe visiter li. Alors si vous formez vous ta gen un message vous ta voye aller pour jeunes tout monde cap tande qui intéressé à lecture à éducation c'est qui ça vous plaît. Moi conseille que nous capable bail à jeune. Moi-même, je demande que vous soyez focus sur Sandra les lectures. Okay? Parce que grâce à la lecture, je pense que nous sommes capables de connaître un peu de bagaille. Et je dis toujours que la connaissance est dans le livre. Par stratégie, tout, parce que nous connaissons un peu de jeunes, surtout, pas trop intéressé à la lecture vraiment. Mais par stratégie, et nous croyons que nous arrivons à enregistrer 100 à 120, 150 élèves par jour. Réunis Timounio, nous montrons l'importance de la lecture là, ok? Et puis nous choisissons des livres pour eux et puis nous capables. Et nous sommes intéressés eux-mêmes. Les ovins là, on n'a pas besoin de nous même orienter eux, mais eux-mêmes à eux, ouais, moi, tel livre que nous avons aimé lire tel. Grand plaisir que la bibliothèque Georges Castera lui-même ait accepté de recevoir Catherine Follacali pour nous faire une petite visite et un petit palais sur comment la bibliothèque a fonctionné et depuis qu'il est lui-même là, il a bâillé service dans la communauté. Et nous fait remercier tous les responsables Georges Castera qui a accepté de passer ce temps avec nous. Alors, il y a un responsable, bien entendu. Pour nous, c'est le directeur Clément. Et le directeur bibliothèque, c'est Clément Benoît. Clément Benoît. Gagné et. Il y a un assistant, okay? Et puis il y a un bibliothécaire. D'accord, en tout cas, nous remercions tout le personnel Georges Castera qui a accepté de recevoir Catherine Follacali pour nous faire un petit palais sur la bibliothèque là, parce que nous connaissons la bibliothèque là, lui-même là-bas, en pile service dans le Grand Noir et c'est une grande bibliothèque qui est dans la ville Limbé. Merci à vous-même qui t'avez suivi nous, qui t'avez regardé la vidéo. Pas oublier, abonner, partager la page là, like-li. Rendez-vous pour une prochaine vidéo. Restez connectés avec Catherine. On va venir avec plus de détails pour concernant culture nous, pays nous en live. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just